Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de la phrase exclamative. Ce qui est important que tu te rappelles de la phrase exclamative, c'est qu'elle exprime la surprise ou une émotion. Il peut y avoir un mot exclamatif pour t'aider à la reconnaître, mais la chose majeure qui fait qu'on reconnaît une phrase exclamative, c'est par son signe de ponctuation. Alors, elle se termine par un point d'exclamation. Alors, le point d'exclamation ressemble à ceci. Justement, avant de te montrer un exemple, je vais regarder avec toi une petite liste de mots exclamatifs. Alors, je t'ai mis ceux qu'on retrouve souvent. Alors, certains mots exclamatifs, que, Q, U', comme, quel et quel au masculin et au féminin, quel masculin pluriel, quel masculin féminin pluriel. Alors, parfois, on retrouve ces mots-là dans la phrase qui nous indique que ça peut être une phrase exclamative. Alors, justement, regardez mon petit exemple. J'ai trois phrases. On me demande de dire si la phrase est exclamative. Alors, si elle est exclamative, je vais pouvoir mettre un crochet ou un X dans mon petit carré. Alors, souviens-toi, il peut y avoir un mot exclamatif et surtout le signe de ponctuation, le point d'exclamation. Alors, la première phrase. Il y a un chat. Point. Alors, déjà là, j'ai un petit indice ici par le signe de ponctuation, un point, que ici, ce n'est pas une phrase exclamative. Souviens-toi, tu dois avoir le point d'exclamation. Alors, je ne peux pas dire que cette phrase est exclamative. Quel beau spectacle! Alors, ici, j'ai « quel », qui est un mot qui fait partie de ma liste des mots exclamatifs. Et surtout, j'ai le signe de ponctuation qu'on reconnaît bien, le point d'exclamation, qui me dit que j'ai une phrase exclamative. Tu as sûrement vu aussi une différence dans la façon que j'ai dit la phrase. Alors ici, j'avais dit « il y a un chat » et ici « quel beau spectacle ». Alors, la phrase exclamative nous permet de mettre de l'intonation, de mettre une émotion dans notre phrase. Alors ici, oui, j'ai une phrase exclamative. « Génial !» Alors, c'est une phrase qui se termine par un point d'exclamation. Alors ici, j'ai donc une phrase exclamative. Je vais donc pouvoir dire oui, ceci est une phrase exclamative. Alors, si tu trouves, si tu repères bien là, le point d'exclamation, ça va t'aider à bien reconnaître la phrase exclamative rapidement. Alors, sois attentif et lorsque tu rencontres un point d'exclamation, tu devrais te dire dans ta tête, j'ai une phrase exclamative. Alors, n'oublie pas d'aimer cette publication et de t'abonner à ma chaîne YouTube.